Alors, si j'étais prétentieux, je dirais l'humilité, la modestie, l'écoute et la constance aussi. Mais davantage l'écoute et aussi parce que, voilà, c'est pas... Je ne fais pas ça pour moi. Je pense que... Il y a un mot qui est souvent aujourd'hui utilisé, parfois de manière abusive, c'est l'altérité. Mais je pense que c'est ça. Je pense que, je le dis, cette approche-là m'a beaucoup aidé aussi sur scène. Je dis aux acteurs sur scène, l'important, c'est l'autre. Parce que nous sommes en relation en permanence. Un plateau, c'est un équilibre fragile, un équilibre précaire qu'il faut toujours maintenir. Si une personne bouge, il faut que les autres bougent. Et donc, les clés du succès, c'est cette destination, cette ambition, mais le fondement de tout, c'est une cause que l'on se donne. J'ai toujours, depuis le début, faire joujou avec le théâtre ou le cinéma, juste pour avoir une ligne à l'agenda culturel d'un quotidien, ça ne m'intéresse pas. J'aime pas trop faire la mise en scène, finalement. Mais ce qui est important, c'est, pour moi, en tout cas, je pense, c'est se donner une cause et que l'on soit... que l'on ait envie de construire des maisons ou fabriquer des voitures, designer des voitures. C'est la cause, en tout cas chez moi, que je me suis donné un jour, peut-être mes origines aussi de mon premier voyage d'un petit village d'Italie à la Louvière, c'est cette cause-là qui me maintient et qui fait peut-être le succès. Mais si, et en fait on est dans cela. Et j'ai la curiosité aussi, une autre règle pour le succès, c'est être curieux, se lever le matin parce qu'on est curieux. Et donc oui, il y a, en 2015, j'ai commencé à m'intéresser au parc d'attractions. Et là, nous avons un projet où, comme aujourd'hui, on parle beaucoup d'immersion, interactivité, de réunir les plus belles pièces des costumes de tous ces spectacles-là, dans un endroit et les plus beaux moments des spectacles, dans un seul endroit et permettre aux spectateurs de traverser et d'expérimenter ce spectacle. J'espère, mais vraiment de tout cœur, que cela je puisse le faire en commençant par la Louvière. C'est pas un lieu facile, la Louvière. C'est un lieu que j'aime, qui est en moi, qui m'habite depuis toujours. J'espère que ça se fera à la Louvière comme premier numéro. Dans le jargon, on dit « the proof of concept », la preuve du concept. J'espère le faire ici, et puis qu'il voyage dans le monde. Nous verrons, mais c'est dans les prochaines 5 années, c'est un objectif que je me suis fixé.